declare open the Olympic Games of 1976, celebrating the 21st Olympiad of the modern era. À l'été de 1976, 72 000 Montréalais s'entassent dans un stade gigantesque et voient s'allumer la flamme la plus coûteuse de l'histoire des Olympiades. Les Québécois et leurs invités venus du monde entier participent dans l'enthousiasme à la grande fête de la performance athlétique. Et des Jeux, une formule gagnante pour Monsieur le maire de Montréal. Le dernier rêve de Jean Drapeau s'est finalement réalisé. Mais à quel prix? Avec ses Jeux olympiques de 1976 et les travaux à la baie James, l'État québécois a gagné pour sa part la médaille d'or de l'endettement. Le taux de chômage est à 9 % et l'inflation fait des ravages. Dans ce contexte de fragilité économique et sociale, le premier ministre commet une bourde politique et déclenche des élections qui dureront tout juste 23 jours. Le moment est mal choisi. Robert Bourassa peut garder le pouvoir encore 2 ans, mais il craint une percée rapide du Parti québécois. Bonjour, merci. Mettant à profit le désarroi de Bourassa, René Lévesque met en veilleuse son option souverainiste et propose la formule gagnante du bon gouvernement. La campagne éclair se déroule surtout dans les médias, où Lévesque, ancien journaliste, a le dessus sur un adversaire, pour ainsi dire, sans charisme. De son côté, Robert Bourassa multiplie les promesses. Mais cela ne fait qu'accentuer la méfiance des Québécois, échaudé par une série de scandales politico-financiers. Oh, on se coupe à Bernard de Rome tout de suite, excusez-moi. Radio-Canada à 8h40. Prévoit que le prochain gouvernement du Québec sera formé par le Parti québécois et que ce gouvernement sera majoritaire. Le 15 novembre 1976, les Québécois se donnent un gouvernement souverainiste et le Québec devient bleu. Tout bleu. Le 15 novembre au soir, il n'y a pas seulement la majorité des Québécois qui sont surpris, mais surtout les péquistes qui, je ne suis pas sûr qu'ils s'attendaient à avoir une victoire comme ça. C'est vrai qu'ils ont eu seulement un peu plus de 41 % des suffrages exprimés, mais c'est quand même la victoire. Ils ont quand même la majorité de la députation. Et là, on fête. C'est un peu partout, dans le centre-ville de Montréal, on fête. Et on pousse peut-être un peu l'audace à se rendre jusqu'à Westmount et là, d'aller klaxonner devant les belles demeures des anglophones, un peu pour les narguer. Robert Bourassa n'obtient que 34 % du vote, car une fraction des électeurs anglophones a voté pour l'Union nationale. Aux urnes, le Québec est devenu imprévisible. L'élection du Parti québécois fait la manchette dans certaines capitales mondiales.
québécois, c'est une clé. Le pouvoir, c'était la serrure. Vous venez de mettre la clé dans la serrure qui nous ouvre la porte de notre avenir. Voici René Lévesque. Je pense que je n'ai pas besoin de vous dire à quel point je suis incapable en ce moment de faire un commentaire sur l'extraordinaire marque de confiance qui était espérée. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être Québécois que ce soir. On n'est pas un petit peuple, on est peut-être quelque chose comme un grand peuple. René Lévesque naît à New Carlisle, en Gaspésie, le 24 août 1922. Parfait bilingue, il débute sa carrière de journaliste à la radio avant de devenir correspondant pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée. Dans les années 50, il anime l'émission Point de mire à Radio-Canada, où il fait ses premières armes de militant lors de la grève de 1959. Élu député dans Laurier en 1960, René Lévesque devient ministre de l'équipe du Tonnerre de Jean Lesage. En 1962, il mène avec succès sa croisade pour la nationalisation de l'électricité en se servant du slogan « Maître chez nous ». Devenu souverainiste, il quitte le Parti libéral en 1967 et fonde le Parti québécois un an plus tard. Mais René Lévesque perd l'élection de 1970 et devient chroniqueur au Journal de Montréal, puis au journal Le Jour. Communicateur simple et chaleureux, René Lévesque est aimé des Québécois pour l'intégrité et la cohérence de son action politique, marquée tout au long de sa carrière par une grande modération. C'était un grand démocrate, René Lévesque. Dès qu'il entre en politique, il n'a qu'une obsession, c'est vraiment de purifier, comme on dit, d'épurer les mœurs politiques, de démocratiser les mœurs politiques. Des départs et des retours, des attentes, des rêves, je commence à apprendre à bien rêver. Et le silence devant la mer, devant l'eau, ventre et mémoire de la terre. Et l'avancement en âge, sous toute raison, avec des gestes toujours plus larges, pour saisir les biens de ce monde, notre royaume. Inquiété par l'impact de sa propre victoire, René Lévesque calme le jeu en prenant soin d'abord de rassurer nos voisins américains. Monsieur le Président, and as a certain illustrious French general, and there's no analogy of any kind there, used to say, je vous ai compris. Les Américains se font à l'idée qu'un jour, le Québec pourrait devenir un pays. Mais dans l'immédiat, ils s'inquiètent davantage des conditions qui prévaudront pour leur dollar dans un Québec péquiste. The Prime Minister of Canada. Ottawa voit d'un mauvais œil la visite de Lévesque chez les Américains. La réponse ne se fait pas attendre. Le premier ministre du Canada se rend à son tour aux États-Unis pour rassurer ses partenaires. I say to you, with all the certainty I can command, that Canada's unity will not be fractured. Most Canadians understand that the rupture of their country would be an aberrant departure from the norms they themselves have set, a crime against the history of mankind. Trudeau obtient carte blanche pour régler les affaires canadiennes au Canada.
La bataille Québec-Ottawa aura donc lieu en territoire québécois. Ce qui n'empêche nullement René Lévesque de chercher aussitôt des alliés en France. Et Pierre-Éliott Trudeau de courtiser la couronne britannique. Peu après son élection surprise, René Lévesque se donne un cabinet à la mesure de ses projets. Encore une fois, la Révolution tranquille peut compter sur une équipe du tonnerre. Avec l'arrivée du Parti québécois en 1976, on a l'impression que la Révolution tranquille va reprendre avec un nouveau souffle. Et effectivement, ça donne une nouvelle allure au Québec. Mais on s'est aperçu au bout de 2 ans que la Révolution tranquille était un peu au bout de son rouleau et qu'on pouvait faire beaucoup moins de changements en 1976 qu'on avait pu en faire en 1960. Ceux qui habitent le Parti québécois qui prend le pouvoir en novembre 1976, c'est l'idée souverainiste, bien sûr, qui est populaire auprès de grandes masses de la population chez les jeunes. C'est aussi un nationalisme qui se veut fortement social-démocrate. Sitôt installé au pouvoir, le PQ reporte la question du référendum et met en marche une série de réformes. Le Québec est à nouveau en chantier. Mise sur pied de l'Office des personnes handicapées et de l'Office de garde à l'enfance. Instauration de l'assurance automobile, loi cadre sur les garderies, adoption de la loi 24 pour la protection de la jeunesse. Et comme tout bon gouvernement met en son pays, l'État québécois s'attaque à l'épineuse question de la gestion du territoire national. Une loi sur le zonage agricole est d'abord adoptée par l'Assemblée nationale pour protéger les belles terres arables contre l'expansion des nouvelles banlieues. La campagne reste la campagne parce que dans le monde entier actuellement, un des problèmes, d'ailleurs les grands experts parlent de pénurie d'aliments. On parle éventuellement qu'on va parler d'agro-dollar plutôt que pétro-dollar. Parce que tout le monde parle de crise alimentaire. Et on n'a pas le choix de garder nos terres pour l'agriculture. Et surtout qu'au Québec, il y en a très peu de bonnes terres agricoles. Désormais mieux protégée par la loi, l'agriculture connaît un nouvel essor. Les clôtures de bois et les petites exploitations disparaissent peu à peu. La monoculture se développe. Les industries laitières, porcines et avicoles s'organisent. Grâce à l'action du flamboyant ministre Jean Garon et de l'Union des producteurs agricoles, une vigueur nouvelle s'empare du monde rural. Poursuivant sa politique de protection du territoire, le gouvernement abolit les clubs privés de chasse et pêche, souvent américains. Les Québécois, qui depuis des lustres passaient pour des braconniers dans leur propre pays, ont enfin accès à leur propre territoire. Depuis le 1er avril, au Québec, le seul endroit en Amérique du Nord où subsistait encore un système de privilèges exclusifs de chasse et de pêche, tous les citoyens ont le droit d'exercer partout, là où ils le désirent, ces activités de plein air. Le gouvernement de René Lévesque se lance également dans des réformes politiques. En mars 1977, l'Assemblée nationale adopte une loi pour ainsi dire unique au monde.
La loi 2 sur le financement des partis politiques met un frein à l'influence des groupes de pression privés sur les décisions gouvernementales. Le patronage qui avait longtemps marqué la vie politique québécoise devient chose du passé. Qui a droit de vote au Québec? C'est un citoyen, c'est un électeur. À ce moment-là, c'est lui qui doit financer ses partis politiques, plus l'État. Et je pense que ces deux façons-là permettent justement de mettre de côté toute possibilité de caisse électorale occulte, toute façon un peu anonyme de financer. Les entreprises et les organismes, y compris les syndicats, doivent maintenant inventer d'autres méthodes pour influencer le parti au pouvoir. Dans le domaine des arts, l'État québécois découvre que la culture est devenue un produit pouvant contribuer autant que d'autres à l'essor de l'économie. Les artistes font de moins en moins carrière seuls, comme dans les années 60. Ils participent maintenant à une industrie culturelle en pleine expansion. Il voudrait voir sa blonde faire un show. Mais pour prospérer dans le contexte québécois, les arts ont besoin eux aussi du soutien de l'État. Ainsi, Québec et Ottawa annoncent de nouveaux programmes d'aide à l'industrie culturelle. Le temps presse. La puissante industrie culturelle américaine exerce une attraction de plus en plus grande, particulièrement auprès des jeunes, qui, à la vitesse de l'éclair, attrapent eux aussi la fièvre du samedi soir. Dans ce contexte, Québec appuie les producteurs qui tentent d'organiser la culture sur une base commerciale et parfois même exportable. Avec le développement des centres urbains en région, Québec encourage la décentralisation des activités culturelles en subventionnant le réseau des maisons de la culture, de même que les journaux et les radios communautaires. Bouche à bouche, nous ouvrons le seuil d'une patrie. Tout en sang encore, sous l'aile du soleil, avec la première branche de l'année, un peuple trace sur la terre sa liberté. En 1977, le destin des Québécois n'est pas encore totalement assuré dans ce pays aux mille visages où toutes les langues coexistent. Les Québécois ressentent le besoin d'assurer leur avenir linguistique. Depuis 1969, de timides lois ont été adoptées, mais ont donné peu de résultats. La question de la langue semble maintenant devoir se dénouer. Pour le peuple québécois, le dépôt de ce projet de loi, de ce projet de politique linguistique, marque que l'hiver vient de desserrer son étreinte et que sonne enfin l'heure du printemps de notre vie collective. Avec la loi 101, le français devient obligatoire dans l'appareil gouvernemental, les relations de travail, les corporations professionnelles et l'affichage commercial. Seuls les enfants dont un des parents a fait ses études en anglais au Québec auront accès à l'école anglaise. Une victoire décisive pour l'avenir des Québécois après 20 ans de lutte linguistique. Les mesures adoptées par le Parti québécois, je pense, répondaient aux aspirations générales d'une bonne majorité sûrement de Québécois francophones, parce qu'évidemment, les Québécois de langue anglaise n'étaient pas très bien représentés par le Parti québécois. On a des droits aussi! Faut qu'on se fasse respecter! C'est au tour des anglophones de manifester pour réclamer le maintien de leurs privilèges linguistiques. Un revirement de situation pour le moins cocasse.
with this, what I see with Bill 101 being a regressive law, is that you might have the technology of the English over here, where the French schools of the technology is over here. So instead of trying to raise the French schools to this level and having both le joie de vivre and the technology, I see is that they're here and trying to bring the English down to meet. Bring down? René Lévesque n'aime pas imposer des contraintes. Mais pressé par les militants et l'opinion publique, la loi 101 est finalement adoptée. À la suite de l'adoption de la loi 101, le West Island de Montréal perd une partie de sa population anglophone, même à Westmount, cible autrefois des attaques du FLQ. C'est pas un mythe qu'un grand nombre des anglophones moins nombre des allophones ont quitté le Québec après les élections de 76. C'était pas juste l'incertitude politique, il y avait aussi des raisons économiques et de plus en plus des éléments ou raisons linguistiques dans une société qui était en train d'évoluer très, très rapidement en termes des besoins d'apprendre le français, connaître le français au milieu du travail, en termes des changements qui, on peut dire, ont bouleversé la société. Certaines compagnies réagissent également à l'adoption de la loi 101. Donc, la compagnie d'assurance Sun Life du Canada a décidé de déménager son siège social de Montréal à Toronto. Est-ce que, d'après vous, ce geste de la Sun Life va être suivi par toutes les compagnies ayant un siège social à Montréal? Est-ce que ça, c'est grave? Premièrement, permettez-moi de dire que moi, au moins, je vais travailler à outrance pour faire ce que je peux, très minime peut-être, contre ce geste. Est-ce que M. Bourgault va faire la même chose? Oh, pas du tout, parce que moi, je considère que c'est beaucoup moins grave que vous le dites. Alors, moi, c'est très grave pour la communauté anglophone de Montréal. À court terme? Évidemment, déjà, à court et à long terme, c'est très grave pour la communauté anglophone de Montréal. Mais pour l'ensemble du Québec, ça n'est pas grave du tout. Alors, certaines propagandes continuellement négatives ne peuvent pas être autre chose, à moins qu'il s'agisse d'une bande d'inconscients, qu'une sorte d'intention de déstabilisation au point de vue économique. Mais de façon inattendue, le départ de sièges sociaux anglophones devient une occasion en or pour les hommes d'affaires et les gestionnaires francophones. Avec les politiques économiques nationalistes du gouvernement, les Québécois ont la chance d'occuper la place laissée vacante par le départ des anglophones. L'évêque demande alors aux syndicats de faire preuve de réalisme et de modération. On va essayer de débloquer ça. Mais je crois pas que... Avec son préjugé favorable aux travailleurs, le gouvernement adopte une série de mesures qui plaisent aux syndicats, dont la loi 45, interdisant le recours aux briseurs de grève, les SCAB, pendant un conflit de travail. La paix sociale s'installe dans un Québec en plein essor. 15 ans après le slogan « Maître chez nous », le Québec entre dans une ère de développement économique généralisé. En 1977, le gouvernement annonce l'étatisation des mines d'amiante, autre symbole de la richesse du Québec en ressources naturelles. L'entreprise privée se met également de la partie. La BCN et la Banque provinciale fusionnent pour devenir la Banque nationale avec 800 succursales et un capital de 14 milliards de dollars. Créée en 1965 par Jean Lesage, la caisse de dépôt et de placement connaît elle aussi une croissance exponentielle. Dirigée maintenant par Jean Campeau, elle est devenue la Bay James économique du Québec. La caisse de dépôt joue un rôle tellement important sur le marché des actions. C'est le plus gros portefeuille d'actions ordinaires, pas au Québec, au Canada. Au Canada. Mm-hmm. C'est bien plus gros que les intérêts Bronfman ou que les intérêts Steinberg ou Canadian Pacific Investment. C'est le plus gros portefeuille d'actions ordinaires au Canada. Le gestionnaire des caisses de retraite de tous les Québécois finance les dépenses du gouvernement et injecte maintenant des sommes considérables dans l'entreprise privée québécoise.
La présence de la Caisse de dépôt à cause de sa crédibilité dans le secteur financier sur la qualité de ses placements et le fait d'avoir investi dans Vidéotron 79, ça nous apportait automatiquement la crédibilité de la qualité des placements effectués par la Caisse de dépôt. Une des préoccupations lorsque la Caisse de dépôt a été créée, c'était de lui donner toute l'autonomie possible et nécessaire et aussi essayer de la garder à l'écart de débats publics sur ses décisions, de telle sorte qu'elle puisse gérer le plus efficacement possible les sommes énormes qui lui sont confiées. On sait que présentement, elle gère à peu près 10 milliards de dollars. Avec ses milliards de dollars et une main-d'œuvre instruite et productive, la grande industrie connaît un regain d'activité et commence à se mesurer avantageusement à ses concurrents canadiens et américains. La crise du pétrole des années 70 et l'apparition d'une préoccupation écologique augmentent la demande nord-américaine en hydroélectricité. Après quelques années d'hésitation, le Parti québécois reconnaît en 1976 que le projet de la baie James peut devenir rentable. Quand tout le complexe de la Grande, seulement celui-ci, aura été terminé, c'est l'équivalent de 300 000 barils de pétrole par jour. Et à la fin des années 70, Hydro-Québec est devenu le quatrième plus gros emprunteur au monde sur les marchés financiers. De toute évidence, le Québec péquiste ne semble pas effrayer la haute finance. Après 6 ans de travaux, les Québécois émerveillés découvrent enfin LG2, le plus grand complexe hydroélectrique souterrain au monde. La grande œuvre que nous inaugurons rend plus éloquemment que n'importe quel autre témoignage un témoignage perpétuel au génie québécois. Gens du pays, dans quelques instants, nous aurons la fierté de procéder à la mise en service de LG2. La turbine numéro 9 de LG2 a démarré à 15h35 cet après-midi. Vous êtes fier? Fier. Fier de tout ce que c'est. Que le petit peu que je peux avoir fait, tu sais, puis que toutes les autres comme moi ont fait, là. Mais aujourd'hui, ça fait une masse. C'est la masse, là. C'est l'effort collectif, en fait. Tu sais, c'est un effort collectif de tout le monde qui ont travaillé ici. Après 20 ans d'émancipation collective, la grande période romantique des années 60 connaît un certain essoufflement. La Révolution tranquille présente déjà des fissures. Ouvert sur le monde et sûr de lui-même, le citoyen québécois se perçoit de plus en plus en fonction de ses droits et de ses besoins individuels. La réussite personnelle devient autant, sinon plus importante, que celle du pays. Les héros symbolisent maintenant ce qu'on appelle la performance et l'excellence. L'effervescence ne semble plus au rendez-vous. Les baby boomers, dont le pouvoir n'a cessé de croître depuis 20 ans, occupent désormais la plupart des sphères d'influence de la société québécoise. La Révolution tranquille leur a été profitable. Devenus adultes et nouvellement installés dans la société qu'ils ont construite à leur image, les insatiables baby-boomers veulent réaliser une ultime conquête. La génération des années 50 n'a pas dit son dernier mot. Il faudra vous faire à l'idée. J'aime et j'aimerai sans armes, à main nue, visière levée sans bouclier, sans allié, à contre-courant jusque derrière les barreaux, à mourir pour ça, un pays sans bon sens.
Après 20 ans de révolution tranquille, le Québec se pose maintenant la question ultime de son existence comme peuple. Au mois de décembre 1979, le premier ministre divulgue la question référendaire à laquelle chaque Québécois devra répondre par un oui ou par un non. Accordez-vous au gouvernement du Québec le mandat de négocier l'entente proposée entre le Québec et le Canada? En répondant oui à cette question, les citoyens du Québec auront l'occasion de faire un pas décisif vers la prise en charge de leur avenir. Ce sera un grand pas en avant, comme l'est toujours, nécessairement, tout ce qui va dans le sens de la responsabilité et de la liberté. Bravo. Une question pour le moins timide dans un Québec dont la longue marche depuis 1962 a été inspirée par le slogan « Maître chez nous ». Mais en contexte référendaire, chacun peut refaire l'histoire comme bon lui semble. La politique du gouvernement que j'ai dirigée de 1960 à 1966 tendait principalement à faire du Québec une société moderne et à donner aux Québécois de langue française les outils nécessaires pour acquérir la maîtrise de l'économie au Québec. Et de là, c'est aussi simple que ça, de là le slogan « Maître chez nous ». Il ne m'est jamais venu à l'esprit d'avoir un Québec séparé. Pour les fédéralistes, la Révolution tranquille n'inclut pas la question nationale, contrairement au Parti québécois qui, lui, entend pousser la démarche jusqu'à l'indépendance du Québec. Dans cette question, que les peuples, les petits, les moyens et les gros, ont une égalité qu'on doit reconnaître et qui doit être reconnue dans les faits. Le Parti québécois veut entraîner le Québec dans la voie de la séparation politique, de l'indépendance politique pure et simple, mes chers amis. Qu'il veuille le faire dans une étape, dans deux étapes, dans trois étapes, cela n'a aucune espèce d'importance. Moi, je dis qu'il n'y a aucun risque. Et pourquoi? D'abord, par la nature de la question elle-même. La nature de la question qui demande un mandat de négocier qui ne sera suivi d'aucun changement sans un second référendum. Que ce qui va s'ouvrir à la suite d'un oui, c'est une phase de négociation et non pas de changement. Les changements ne survenant qu'après un deuxième référendum qui portera sur l'entente nouvelle qu'on aura fait avec le reste du Canada durant ces deux ans, trois ans de négociation. C'est qu'enfin la vérité sort! On s'est fait remplir pendant trois ans par les péquistes qui ont commencé il y a plusieurs années en disant « on est des séparatistes ». Puis ensuite, les gens n'aimaient pas ça, ils sont devenus des indépendantistes. Puis les gens n'aimaient pas ça, ils sont devenus des souverainistes. Puis après, les gens n'aimaient pas ça, ils sont devenus des souverainistes associés. Puis après ça, ils sont devenus d'égal à égal. La campagne référendaire de mai 1980 est une campagne assez pénible. Il y a les partisans du « oui ». Il y a les partisans du non. Il y a ceux qui voudraient voter oui, mais qui n'osent pas. Il y a ceux qui voudraient voter non, mais qui se sentent un peu mal à l'aise. Il ne faut pas oublier que les gens qui avaient connu le régime Duplessis, les gens qui avaient connu le gouvernement de Bourassa, le gouvernement de Daniel Johnson, ne sont peut-être pas prêts à voter, même si l'objet de la question, c'est uniquement d'autoriser le gouvernement du Québec à négocier avec le fédéral la souveraineté trait d'union, association. Ça n'a rien à voir avec l'indépendance encore. Mais qu'importe, on sait que c'est la porte qui est entrouverte. Et là, il y a des jeunes qui sont enthousiastes, mais il y a des parents qui sont inquiets. Parce qu'il y a une certaine campagne, pas de peur, mais bien proche d'intimidation, que les partisans du non vont mettre de l'avant. Puis là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent avoir un mandat qu'ils nous disent. Pour quoi faire? Pour nous faire perdre notre passeport canadien. Pour nous faire perdre notre citoyenneté canadienne. Un mandat pour que Trudeau soit le dernier Canadien français premier ministre du Canada. C'est ça qu'il faut regarder. C'est ça qui est la question. On recommence à nous dire les pensions de vieillesse finies. Est-ce qu'on aura essayé de nous faire peur à nouveau
Après 1970, 73, 76, voilà qu'en 80, on revient variablement à ce même dialogue qui consiste à dire aux Québécois, vous êtes des pas capables, vous êtes des pas bons, vous avez pas l'argent. Au point de vue de l'allocation familiale, on a 5,65 ou 6,65, je pense, pour un enfant. Au provincial et au fédéral, nous en donnent 18. Oui. Ça fait que si une personne a 5 cents d'intelligence, elle va aller sur le côté du fédéral, le fédéral donne bien plus. Oui. Si on se sépare, effectivement, c'est fini, ça, on ne l'a plus. La politique, ça vous influence à ce temps-là? Pas tellement. Votre choix est fait, vous? Pas mal. Bon, ça, je pense bien. Les gens qui ont de la maturité savent pour qui où poser leur croix. Il y a beaucoup de noms officieux ou même officiels qui, dans la réflexion qui va se poursuivre encore pendant quelques semaines, le diront peut-être pas, mais ils vont voter oui. Et de toute façon, seront extraordinairement fiers de ce oui auquel ils n'auront pas participé avant, mais dont ils pourront recueillir eux aussi les résultats quand on continuera à vivre ensemble après. Tu dirais, tu marches jusqu'à Québec? Ouais, je suis parti le 2 mai de Hull. Un pied à Ottawa, un pied à Québec. On veut revoir nos pouvoirs, c'était le symbole de la marche. J'ai pas mal convaincu, c'est surtout les gens âgés que je tiens à féliciter, de ceux qui donnent un pays à leurs enfants, qui se tiennent bout comme un vrai piquet droite, là, puis qui fait pas de cas de personne. Mes enfants, c'est mes enfants. Moi, je fais rien que sa bonne place, je leur donne un pays. Mais ces gens-là, moi, je leur dis chapeau, hein. Bonjour, les messieurs, les journalistes, ça va bien? Allô, comment ça va, Jean? Ouais. Je ne sais pas si je devais parler en anglais ou en français. La bataille référendaire mobilise tous les Québécois et tous les Canadiens et donne lieu à des rapprochements pour le moins hétéroclites. Très bien. On a vu dans certaines familles des discussions assez fortes, un peu comme on avait connu 200 ans auparavant quand les Américains avaient envahi le Québec et qu'il y en a qui étaient sympathiques à la cause américaine alors que d'autres voulaient demeurer sujets britanniques. Et on a vu dans la région de Montmagny des pères se battre contre les fils. En 1980, ce n'est pas arrivé. Il y a eu des batailles verbales, mais il y a peut-être eu quelques coups de poing qui ont été échangés ça et là, mais il n'y a pas eu de mort en 80. Si on est si quêteux que ça, chère madame, si on est si quêteux qu'ils nous fichent la paix et qu'ils nous laissent nous arranger, c'est la séparation du Québec que vous voulez. Est-ce que la Suède, c'est la séparation du Québec? Allez-y en Ontario, puis battez-vous pour les francophones. On va voir ce qu'ils vont faire. Ils vont vous passer au fusil. Ah, ici, je me laisse. Le camp du non fait feu de tout bois et ne rate aucune occasion de colorer la campagne référendaire. Le 7 avril, 15 000 femmes d'origines diverses sont réunies au Forum de Montréal pour entendre des discours fédéralistes. Non au mensonge qu'est la question. Voulez-vous abandonner votre drapeau à feuilles d'érable? Notre nom n'est pas seulement québécois. Il est des rocheuses qui sont nos sculptures d'éternité. I answer no. Vous êtes impressionnante. Quand les Yvettes sortent, elles sortent. Conduit par le chef du Parti libéral, Claude Ryan, le camp du non réclame maintenant l'aide d'Ottawa pour gagner sa bataille du siècle. Mesdames, Messieurs, l'honorable Premier ministre du Canada, M. Pierre-Éliott Trudeau. Dans l'ambivalence et l'ambiguïté québécoise, le combat référendaire se fait de plus en plus tumultueux. Si la réponse au référendum était oui, j'ai dit carrément en chambre, à la Chambre des communes, Monsieur l'évêque sera bienvenu de venir à Ottawa, je le recevrai poliment.
comme il m'a toujours reçu d'ailleurs à Québec. Et je lui dirai, si vous frappez à la porte de la souveraineté association, il n'y a pas de négociation possible. Ça, c'est pas possible. En échange d'un non massif, Ottawa promet d'apporter des changements à la Constitution canadienne. Je sais que je peux prendre l'engagement le plus solennel qu'à la suite d'un non, nous allons mettre en marche immédiatement le mécanisme de renouvellement de la Constitution et nous n'arrêterons pas avant que ce soit fait. Avec cette promesse, l'idée du changement passe dans le camp des fédéralistes. Une stratégie habile auprès d'électeurs pour le moins fragiles. Quand on faisait un couvrir la trappe, il n'y a pas une souris qui se pognait. Mais on mettait du fromage dessus, puis on les pognait toutes. Ben eux autres, ils ont ouvert la trappe à souris, puis ils ont mis du fromage dessus, dans l'espoir qu'on ne voit que le fromage, puis qu'on ne voit pas la trappe à souris. C'est au moment où le Québec est en pleine possession de ses moyens que nous autres, on va lâcher ce pays-là parce qu'on a peur de la concurrence. Alors non, ils nous ont pas regardés. Non! Non à la séparation! Non à la fraude! Non! Lui, il m'a fait peur. Oh! Il m'a fait peur, il m'a dit que si je dis oui, je perds tout. Oui, oui, il m'a dit que si on dit oui, on perd les allocutions familiques. Il m'a dit que les vieux, ils auraient plus de tension. Il m'a dit, faut pas dire oui, faut rester là, tranquille, pas bouger devant la statue. Oui, parce qu'il y a le grand garnement feuille d'érable, il y a une belle grande statue. La statue, quoi? En tout cas, moi pour un, je vous le dis comme ça, j'ai assez confiance dans cette confiance en nous que j'ai sentie depuis le début de la campagne, que je commence à avoir confiance aussi qu'on va gagner le 20 mai. Alors, lâchez pas. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Dans 9 jours, nous serons chez nous, si on veut. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Bernard de Rome. 20 mai 1980. Les bureaux de vote viennent tout juste de fermer et dans quelques instants, les premiers résultats vont nous parvenir. Nous serons là toute la soirée pour vous les communiquer. On sait ici, Bernard, qu'en plus des résultats de l'ordinateur... Le soir du référendum, l'avenir du peuple québécois se joue en 30 minutes à peine. Quelques minutes par Radio-Canada, laisse voir que l'option du non remportera ce référendum. C'est moi qui dois vous annoncer, à regret, que notre comité central concède maintenant la victoire au non. L'échec de René Lévesque met fin à la course fulgurante de la Révolution tranquille. La génération des baby-boomers frappe un mur pour la première fois et se sent brisée.
Mais au niveau des mentalités, des valeurs et des attitudes, c'est une révolution qui a permis de décaper les cerveaux, si vous voulez, de donner confiance aussi aux Québécois. Hein. Je veux dire, vraiment, ça a été une piqûre d'adrénaline, ça, vraiment, la Révolution tranquille. Depuis 1960, les Québécois ont atteint leurs objectifs dans plusieurs domaines. La langue, la santé, l'éducation, l'économie, la culture. Avec leur identité nouvelle, les Québécois se sentent certainement plus fiers, plus instruits, plus riches qu'à la fin des années 50. Pour moi, la Révolution tranquille est peut-être, de toute l'histoire du Québec, la période où on a assisté à une accélération de l'histoire. Il y a des périodes dans l'histoire où peu de choses se produisent. Mais entre 1960 et 1980, les événements se sont bousculés. Le Québec a changé à une vitesse très rapide. C'est pour ça qu'on l'appelle révolution. Et comme il n'y a pas eu de violence qui a été généralisée, on l'appelle tranquille. Mais ça n'a pas empêché que, comparé à d'autres pays, l'évolution du Québec est aussi importante que celle que certains pays ont connue en faisant appel aux armes, en faisant appel à la guerre civile. Tout cela a été réalisé en 20 ans, sans faire l'indépendance du Québec. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Les Québécois accepteront-ils ce nouveau rendez-vous avec l'histoire? Deux ans plus tard, Pierre-Éliott Trudeau réalise sa promesse référendaire et rapatrie la Constitution canadienne. Désormais, tous les citoyens du Canada sont égaux entre eux, sans distinction d'origine, de langue ou de culture. Le 1er novembre 1987, René Lévesque quitte le Québec.